Alors, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de la deuxième partie du chapitre concernant les lentilles et la formation des images à travers les capteurs. Alors, dans la première partie, on avait pu voir tout ce qui est construction d'une image à travers les trois règles de construction géométrique qui permettaient d'obtenir l'image A', B' d'un objet AB qu'on filmait à travers une caméra. Donc, on avait vu ce point de vue graphique ou géométrique. On avait vu également quelques relations, dont la relation de grandissement, dont la relation de conjugaison. Et on avait traité aussi la partie où on parlait de la combinaison de l'association de deux lentilles dans un premier temps qui sont accolées l'une par rapport à l'autre, et dans un second temps de deux lentilles qui sont séparées par une certaine distance pour se mettre dans la configuration qui ressemble le plus à l'objectif d'une caméra. Maintenant, dans cette partie, nous allons voir les points de vue que sont l'angle de champ dans un premier temps. Ensuite, nous parlerons à la fin, dans la dernière partie de cette deuxième partie, on parlera de ce qu'on appelle la profondeur de champ. Donc, ces notions-là que vous avez l'habitude d'entendre et tout, on parlera ici, on essaiera de les éclaircir dans cette partie d'un point de vue scientifique. Alors, on va commencer par la thématique concernant ce qu'on appelle l'angle de champ. Alors, un angle de champ, c'est quoi? L'angle de champ, c'est en gros l'angle d'ouverture de la prise de vue. Plus l'angle de champ est restreint, plus on est concentré sur un, enfin, on est focalisé sur la prise de vue. Plus on est ouvert, plus la prise de vue est large. Donc, l'angle de champ, plus il est grand, plus la prise de vue, elle est large. L'angle de champ, plus il est petit, plus la prise de vue, elle est restreinte. Alors, il faut savoir que donc l'angle de champ, en fait, si on considère l'angle de champ horizontal, si on doit prendre en prise de vue ce cadre, il faut se dire quoi? Il faut se dire que l'angle de champ correspond à la partie, donc l'angle horizontal. L'angle horizontal qui correspond à la longueur du cadre. Donc cet angle-là peut se calculer à travers la distance entre. Donc on considère que l'objectif se trouve ici. La distance entre l'objectif et l'objet qu'on veut filmer, c'est cette distance-là. Peut se trouver grâce à cette distance entre, voilà, la distance de prise de vue, mais peut également se trouver grâce à la distance entre la lentille et le capteur, et cette distance-là, ce n'est ni plus ni moins que la focale. Donc on sait que la focale, c'est là où se forme l'image, donc la distance entre la lentille et la focale, et le capteur correspond tout simplement à la focale. Donc on peut trouver l'angle de, qu'est-ce qu'on appelle ça encore? L'angle de champ horizontal de deux façons. Du côté de la prise de vue, mais on peut trouver aussi l'angle de champ horizontal à partir aussi du côté capteur. Donc, d'un point de vue du côté capteur, l'angle de champ qu'on appelle alpha h, alpha qui veut dire angle, h pour horizontal, est égal à 2 fois arc tangente de A. A c'est quoi? A c'est la longueur de notre capteur. La longueur de notre capteur, c'est la valeur la plus grande qu'on vous donne dans un capteur, divisé par 2 fois f'. F', ce n'est ni plus ni moins que la focale qu'on a choisie dans la caméra. Alors, comme on le disait tout à l'heure, on avait dit que l'angle de champ peut se trouver de deux façons. On peut trouver l'angle de champ du point de vue. On peut le trouver du côté capteur. Donc, la formule du côté capteur, elle est celle-ci. Par contre, on peut le trouver, comme on l'a dit, du point de vue aussi, du côté de la prise de vue. Quand on trouve l'angle de champ du côté de la prise de vue, on obtient dans ce cas, alors 2 secondes. Le temps que j'écrive quelque chose. Alors ça fait 2 qu'on multiplie par arc tangente entre parenthèses
Donc, dans ce cas, ça devient le petit a qui correspond à la longueur du capteur ou à la plus grande valeur du capteur va devenir quoi? Va devenir tout simplement la longueur de de l'objet qu'on prend en vue, voilà, qu'on est en train de visualiser. Donc, on aura grand L. Le grand L pour nous, c'est la longueur de l'objet qu'on filme, qu'on divise par deux fois la focale, donc deux fois ici, qu'on divise tout simplement par deux. Deux qu'on multiplie par la distance. Alors, cette distance, il s'agit de laquelle? Il s'agit de la distance entre la caméra et la prise de vue, ou entre la caméra et l'objet qu'on est en train de prendre en vue, qu'on est en train de visualiser. Donc voici les deux formules qu'il faut retenir par rapport à l'angle de champ. La plupart du temps, on trouve l'angle de champ horizontal grâce à la formule du côté capteur. Mais bon, les deux formules amènent forcément au même résultat. Donc on peut le trouver grâce à cette formule, l'angle de champ horizontal. On peut trouver l'angle de champ aussi grâce à cette formule. Bon, si on passe maintenant à l'angle de champ vertical, c'est le même principe, hein. Le principe, ça consiste à dire quoi? Ça consiste à dire, on n'est plus maintenant dans le point de vue, voilà, on n'est plus en train de parler de l'angle d'ouverture d'un point de vue horizontal, mais on est en train de parler de l'angle d'ouverture d'un point de vue vertical. Alors, si je reprends ce dessin, l'angle de champ vertical, pardon, c'est cet angle-là. Donc, c'est tac, 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 c'est cet angle-là. Donc, c'est un angle qui va dépendre de la hauteur de l'objet qu'on filme. Donc, ça va forcément dépendre de la hauteur de l'objet qu'on filme. La hauteur de l'objet qu'on filme, on peut noter ça par un H. Et ça va forcément dépendre aussi de la hauteur du capteur. Si vous voulez que la hauteur de la personne que vous filmez rentre parfaitement dans le capteur ou dans le cadre, il faut forcément tenir en compte la taille de votre capteur. Ou il faut tenir en compte la focale aussi. Donc ça dépend de la taille du capteur et de la focale. Alors on se rend compte de quoi? On se rend compte du fait que plus vous avez envie de faire un zoom, si vous avez envie de faire un zoom, il va falloir choisir. Alors, on se rend compte de quoi? On se rend compte d'une chose dans un premier temps. Dans un premier temps, si vous voulez augmenter l'angle d'ouverture de votre prise de vue, plus l'angle d'ouverture de votre prise de vue, comme on le voit ici, est grand, plus la focale elle est petite. Plus l'angle d'ouverture ici, on voit bien que cet angle-là qui est vertical et cet angle-là qui est vertical, ces deux angles qui sont, voilà, cet angle-là est plus grand. Parce que donc ici, on a un angle d'ouverture qui est beaucoup plus grand que celui-ci. On voit que quand l'angle d'ouverture est petit, la focale, elle est grande. Quand l'angle d'ouverture, elle est grande, enfin, est grand, la focale, elle est petite. Donc, faire un plan large consiste à mettre en place une focale petite. Faire un plan qui est serré consiste à faire une focale qui est grande. Une focale qui est grande. Et on le voit ici, hein, à travers deux triangles qui sont en position Thalès. Donc, faire de la prise de vue un plan large ou un plan serré consiste à avoir un point de vue géométrique, surtout dans le cadre des théorèmes de Thalès. Si vous voyez ici qu'il y a deux triangles qui sont en position Thalès, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci, ça permet d'avoir un bon aperçu de ce qu'on a avec la caméra. Donc, on a ici un triangle qui est celui-ci et un deuxième triangle qui est celui-ci. Ces deux triangles-là sont en position Thalès. Voilà. Les deux angles sont les mêmes. Et donc la caméra, elle est où? La caméra, elle est là. Où l'objectif à l'intérieur, les lentilles sont ici. Donc c'est là. La caméra se trouve ici. Donc le grandissement aussi. Donc le grandissement. Et on a un grandissement plus important avec une focale grande. On a un grandissement faible avec une focale qui est petite. Voilà, ce sont deux choses qu'il fallait retenir par rapport à l'angle de champ dans un premier temps vertical. Alors, on va passer maintenant toujours à l'angle de champ vertical par rapport à sa formule. Donc, l'angle de champ vertical dépend de la hauteur de la personne qu'on filme. Donc, dépend de la hauteur de la personne qu'on filme. Alors, si cet angle,
C'est toujours, voilà, c'est donc angle de champ vertical est égal à 2 fois arc tangente ou tangente moins 1 de B. B, c'est quoi? B, c'est la partie verticale de notre capteur, ou la hauteur de notre capteur, ou la valeur la plus petite de notre capteur, hein. Donc B qu'on divise par 2 fois F', donc B qu'on divise par 2 fois la focale. Alors l'angle de champ vertical se trouve voilà grâce à cette formule. Bon, on peut trouver aussi l'angle de champ vertical aussi grâce aussi à une autre formule, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'angle de champ horizontal. On va procéder de la sorte. Donc angle de champ vertical, on peut la trouver grâce à ça. Voilà. Alors, 2 qu'on multiplie par arc tangente entre parenthèses. Donc, on ferme la parenthèse. Alors, 2 qu'on multiplie par arc tangente insertion. Alors, on va insérer ici. Donc, l'angle de champ, on sait que ça dépend de la hauteur. Donc, l'angle de champ vertical ici, donc, dépend de la hauteur. Il s'agit de quelle hauteur? Il s'agit de la hauteur de notre prise de vue. La hauteur de notre prise de vue, ici, on l'a appelée par un h. Donc, h qu'on divise par 2 fois la focale. Enfin, ici, ce n'est pas la focale, pardon, c'est plutôt la distance de prise de vue. Ici, on a noté ça par un grand D. Bon, grand D ou petit D, tout le temps, c'est la même chose, hein, c'est tout le temps la distance de prise de vue. Alors, donc, dans les exercices, si vous voyez une distance D, la distance D correspond à la distance de prise de vue. Alors, on va parler maintenant de ce qu'on appelle le nombre d'ouvertures ou le diaphragme. Le nombre d'ouvertures, c'est quoi? Le nombre d'ouvertures, c'est une valeur standard qui se trouve grâce à la formule nombre d'ouverture égale à la focale divisé par par le diamètre d'ouverture de notre cercle qu'on appelle pupitre, de notre pupitre. Alors, si l'angle, si ce nombre d'ouverture, donc ce nombre d'ouverture, sa formule, elle est celle-ci. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 valeurs standards pour le nombre d'ouvertures qui sont, voilà, qui sont des valeurs normalisées. Et on les trouve grâce à cette formule-là. F' divisé par par le diamètre d'ouverture du pupitre. Ce nombre d'ouvertures, plus il est petit, plus le diamètre d'ouverture du cercle est grand. Plus ce nombre d'ouvertures qu'on appelle diaph, par exemple un nombre d'ouvertures de 22, correspond à une ouverture qui est, correspond à une ouverture qui est petite. Donc plus l'ouverture, voilà, plus le diamètre d'ouverture est petit, plus la valeur du diaph est grand, plus le diamètre d'ouverture est grand, plus le diaph est petit. Voilà. Donc si vous voyez un diaph qui est grand, cela veut dire que on est très peu ouvert. Voilà. Cela veut dire qu'on est que le pupitre n'est pas le pupitre est très petit. Alors on va parler maintenant de l'autre formule concernant le grandissement. L'autre formule concernant le grandissement, c'est image divisée par objet égale à focale divisée par la distance de prise de vue. Donc image, c'est quoi? Image, c'est la taille de l'image dans le capteur. Objet, c'est la taille de l'objet qu'on filme. Focale, c'est la focale qu'on a choisie à travers la caméra. Distance, c'est la distance de prise de vue. Cette formule, elle est valable quand on utilise la caméra, parce que quand on fait, elle est valable parce que ou elle est valable dans la condition où on considère que la distance de prise de vue, elle est suffisamment importante
par rapport à la focale. Chose qui risque d'être à 99% le cas parce que la distance de prise de vue, ça peut être une distance de 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, etc. Alors que la focale, c'est voilà, 50 mm, 10 mm, 20 mm. Donc voilà, par rapport à ça, on peut considérer que cette formule reste tout le temps valable. C'est une formule que vous allez voir aussi en TES. Et cette formule, vous l'utilisez pour obtenir quoi? Vous l'utilisez soit pour obtenir la focale qu'il faut pour que la prise de vue se fasse dans de bonnes conditions. Parce que dans la prise de vue, on connaît parfois la taille de l'image, on connaît la taille de l'objet, on connaît la distance de prise de vue, on peut savoir quelle est la focale qu'il va falloir choisir. Donc ça permet de savoir la focale qu'il va falloir choisir. On peut aussi, à travers cette formule, trouver la taille de l'image dans le capteur aussi. Voilà. Alors, on va parler maintenant dans cette partie-là de la profondeur de champ. Qu'est-ce qu'on appelle profondeur de champ? Alors, avant de parler de la profondeur de champ, il va falloir voilà, s'intéresser à quelques notions. Dans un premier temps, la distance entre O et P1. Qu'est-ce qu'on appelle P1? P1, c'est ce qu'on appelle le premier plan net. Alors, si on regarde le dessin, on voit bien que dans ce dessin, toute cette partie-là, c'est une zone qui est floue. On voit bien que cette zone-là, elle n'est pas nette. Cette zone-là n'est pas nette. L'intervalle de netteté, on peut dire ça comme ça, donc l'intervalle où on a des images qui sont nettes, c'est ça qu'on appelle la profondeur de champ. Donc cette partie-là ne fait pas partie de la profondeur de champ. Cette partie-là, qui est floue aussi, ne fait pas partie de la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est l'intervalle de distance où on a des images qui sont nettes. Et ici, par rapport à cette prise de vue, on a une profondeur de champ qui va de là jusqu'ici. Donc la distance entre le premier point où on a une image nette et le dernier point où on a une image nette, cette distance-là, c'est ça qu'on appelle la profondeur de champ. Alors, l'objet qu'on veut filmer, c'est l'objet qu'on appelle P, qu'on appelle plan de mise au point ou distance de mise au point ou distance entre voilà, la lentille et l'objet qu'on filme. Tout ce qui entoure l'objet, on veut que ce soit une partie nette. La partie qui est ici, normalement, elle est censée être floue. Voilà ce qu'il faut retenir par rapport à ça. Donc, premier plan net. Premier plan net, c'est le point à partir duquel on a des images nettes. Dernier plan net, c'est le dernier point où on a des images nettes. Et entre les deux, on a le point P qu'on appelle la distance de mise au point. Donc, entre les deux, on a la profondeur de champ. Entre P1 et P2, on a la profondeur de champ. Voilà. Donc, la différence entre la distance P2 et la distance P1 s'appelle la profondeur de champ. Alors, cette profondeur de champ dépend de plusieurs paramètres, dont le nombre d'ouvertures, qu'on appelle également le diaph, dépend aussi de ce qu'on appelle un paramètre qu'on appelle le cercle de confusion. Alors, c'est l'occasion de parler de cette thématique. Le cercle de confusion, c'est une grandeur qui est théorique, qui sert à quoi? Alors, si vous voulez que votre mise au point ou votre profondeur de champ soit nette, il faut que l'image se forme dans cet intervalle-là, donc l'intervalle qui va du capteur, qui est ici, jusqu'à ce point-là. Alors, si votre image se forme dans cet intervalle-là, votre image sera nette. Et donc, c'est défini par un certain triangle dont, voilà, on a un certain intervalle de tolérance ou un certain intervalle de netteté. Puis, tant que l'image qui est formée dans cette distance-là, enfin, tant que l'image est formée à l'intérieur de cette distance, l'image sera nette. Si tel n'est pas le cas, l'image ne sera pas nette. Et donc, cet intervalle qui se trouve à l'intérieur du capteur, cet intervalle-là qu'on appelle intervalle de tolérance du capteur, définit ce qu'on appelle le cercle de confusion. Et ce cercle de confusion, ce n'est pas tout à fait un cercle, mais en fait, est défini par une certaine distance ou une certaine taille à l'intérieur du capteur qu'on appelle le cercle de confusion. Et ce cercle de confusion est délimité par ce triangle-là qu'on appelle triangle de
tolérance pour la triangle de tolérance pour une image nette. Et donc à partir de là, on a voilà cette distance là, cette distance rouge là qui est le diamètre du cercle de confusion. Donc c'est ça qu'on appelle diamètre du cercle de confusion. Le diamètre du cercle de confusion, c'est un intervalle de tolérance pour obtenir des images qui sont nettes. Tant que l'image se forme dans cet intervalle de tolérance, l'image sera nette. Si l'image ne se forme pas dans cet intervalle de tolérance, l'image ne sera pas nette. Et cet intervalle de tolérance, c'est ce qu'on appelle diamètre du cercle de confusion. Alors, ce diamètre du cercle de confusion dépend du capteur. En fonction des capteurs, vous avez différents types de diamètre de cercle de confusion. Alors, un exemple de diamètre de cercle de confusion, voilà, c'est typiquement des valeurs qui sont en micromètres. Alors, une fois qu'on a dit tout ceci, toujours au niveau de la profondeur de champ, on voit bien une chose à travers ce dessin que plus le gaff est grand, plus on se rend compte de quoi ? Plus on se rend compte que la profondeur de champ va être grand. On voit bien que la profondeur de champ, voilà, on obtient voilà, une prise de vue qui va être nette sur un intervalle très grand, alors qu'ici, on a un intervalle très petit pour une prise de vue nette. Une prise de vue nette plus grande, une prise de vue nette plus grande. Et donc, c'est à cause de quoi ? C'est à cause du fait qu'on a un gaff plus grand. Plus le gaff est grand, plus votre profondeur de champ augmente. Alors, on a une formule qu'on appelle la relation de conjugaison pour l'hyperfocale. Alors, l'hyperfocale, c'est une valeur théorique qui correspond à quoi ? Si on considère que P1 est une image et que P est l'objet qu'on filme, l'hyperfocale, dans ce cas, correspond à la focale. Le dernier plan net correspond à l'objet, le premier plan net correspond à l'image, dans ce cas, l'hyperfocale correspond à la valeur de la focale. Donc, l'hyperfocale, dans un premier temps, c'est quand le premier plan net correspond à l'image et la distance de mise au point correspond à l'objet qu'on filme. Donc, l'hyperfocale correspondra dans ce cas à la focale. Donc, l'hyperfocale, on la trouve grâce à cette formule. C'est pas une valeur qui existe réellement. C'est une valeur, en fait, théorique. Elle n'existe que dans la théorie. Mais elle permet quoi ? Elle permet de trouver la profondeur de champ. Donc, l'hyperfocale est une étape nécessaire qui permet de trouver la profondeur de champ. Mais c'est pas une grandeur qui existe réellement. C'est une grandeur qui est purement abstraite, purement abstraite. Donc, on trouve l'hyperfocale. Donc, c'est une distance. Généralement, c'est une distance qui est très grande quand vous la calculez. Hyperfocale égale à la focale à la puissance 2, qu'on divise par le diamètre du cercle de confusion, divisé aussi par le nombre d'ouvertures ou le gaff. Alors, on va maintenant passer à un exemple d'application. Dans cet exemple d'application, on a affaire à un capteur. Enfin, on a affaire à une prise de vue dont le diamètre du cercle de confusion de l'appareil est égal à 30 micromètres. Si on utilise une focale de 50 mm et une distance de mise au point de 5 mètres. Alors, on nous demande de trouver l'hyperfocale. Hein, on utilise la formule du cours. Donc, vous allez vous servir du cours. On a vu dans le cours, il y a une page où il y a presque toutes les formules concernant la profondeur de champ, l'hyperfocale, premier plan net, dernier plan net. L'hyperfocale se trouve grâce à cette formule. Vous faites le calcul, vous trouvez une hyperfocale, et voilà, vous appliquez à l'application numérique, 50 mm pour la focale, diamètre du cercle de confusion, 1 micromètre, qu'on convertit en mètre, le nombre d'ouvertures, 1,4, on trouve une hyperfocale de 1190. Par la suite, on nous demande de trouver la profondeur de champ. La profondeur de champ, on la trouve grâce à cette formule, delta P, qu'on appelle profondeur de champ, ou qu'on appelle également aussi PDC, profondeur de champ. C'est égal à 2 fois hyperfocale, distance de prise de vue au carré, divisé par hyperfocale au carré, moins distance de mise au point. Donc, 2 fois hyperfocale, distance de mise au point au carré, la distance de mise au point, c'est 5, hyperfocale au carré, moins
distance de mise au point au carré. On trouve une profondeur de champ très, 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 très petite, hein, de 0,042 mètres, donc 42 mm, c'est très petit, ou 4 cm. Voilà, on a aussi un deuxième exemple d'application dans ce deuxième exemple d'application. Voilà, dans ce deuxième exemple d'application, on a affaire à quoi? On a affaire à la prise de vue d'une carriole qui se trouve à une distance égale à 25 mètres. Alors, l'objectif a une focale de 70 ou est paramétré à une distance de à une focale de 70 mm. On nous demande dans un premier temps, donc les questions se trouvent ici, établir la relation entre OB', F', B', D et grand D. Donc OB', la distance petit d, la distance grand D et aussi donc grand D, petit d. Alors la distance petit d ressemble à quoi? La distance petit d ressemble au diamètre du cercle de confusion. Je ne sais pas est-ce que c'est tout à fait le cas, mais je considère que cette distance-là ressemble en tout cas au diamètre du cercle de confusion. Alors on va maintenant donc s'intéresser aux questions. Donc on nous demande une relation entre OB', F', B', petit d et grand D. Alors dans un premier temps, voilà, on utilise le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès entre ce triangle ce triangle. Alors, on peut procéder de la sorte, ou bien on se dit quoi? On se dit aussi, théorème de Thalès entre ce triangle-là et celui-ci. Bon, en procédant de la sorte et tout, on se retrouve avec cette relation-là du théorème de Thalès. En faisant, voilà, nos calculs, on se retrouve avec, voilà, la relation de Thalès, voilà, on la connaît, c'est cette petite distance divisée par la grande distance est égale à cette distance divisée par B' O. Alors, une fois qu'on a ceci, on nous demande par la suite d'établir cette relation-là. Alors, si on veut établir cette relation-là, il va falloir qu'on essaie de poser une chose. On essaie de poser la première chose, la première étape, c'est de se rendre compte que la distance OB', c'est égal à la distance OF' plus F'B'. Alors, OF', on a vu dans le cours que OF' correspond à quoi? Correspond à la focale. Pour une lentille convergente, ici, on a une focale qui est positive, une focale de 70 mm. Donc, c'est la première chose qu'on a posée. OF', on sait que ça correspond à la focale. Donc, en combinant l'expression 1 et 2, on remplace B'F enfin, on remplace B'F par OB' moins OF', ou bien OB' moins F' qui correspond à la focale. Donc on remplace B'F par ceci. En faisant ça, on se retrouve avec OB' égale à la focale divisée par 1 moins la petite distance divisée par la grande distance. Alors, toujours dans l'exercice d'application, on veut maintenant trouver la distance OB. Enfin, pardon, on doit d'abord calculer en faisant l'application numérique, on trouve OB égale à 70,25 mm. Donc, OB' égale à 70,25 mm. Voilà. Donc, 0,25 mm entre F' et B'. Alors, maintenant, on nous demande de trouver la distance OB. La distance OB, elle n'est pas si compliquée que ça à trouver parce que l'image de B correspond à B' à travers la lentille. Donc, pour trouver la distance OB, on n'a qu'à appliquer la relation de conjugaison. En appliquant la relation de conjugaison, on a 1 divisé par la distance entre lentille et image, moins 1 divisé par la distance entre lentille et objet, égale à 1 divisé par la focale. On retrouvait quoi ici? On retrouvait OB. OB, on trouve que c'est une distance qui est négative à cause de quoi? À cause du fait que B se trouve à gauche de O. À cause de ça, on a une distance en valeur algébrique qui est négative. Alors donc, on trouve une distance de moins 19,4 mètres. Alors, cette distance, cette distance correspond à quoi? Cette distance correspond au premier point où on a
où on peut espérer obtenir des images qui sont nettes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, comme l'exercice le dit, réaliser une prise de vue extérieure avec une mise au point à l'infini. Alors, on nous dit quoi? On nous dit que notre objet se trouve à 25 mètres. 25 mètres, c'est par là. Le point B, il est là. Le point B qu'on vient de trouver, qui est égal à, qui est situé à une distance de 19 mètres par rapport à la lentille. Donc, toute cette distance-là, tout objet qui se trouve à l'intérieur de cette distance-là ne sera pas net à l'intérieur du capteur. Par contre, tout objet qui se trouve après le point B sera vu de façon nette à l'intérieur de l'écran. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout simplement que si on veut obtenir des images qui sont nettes, cela veut dire que ces images, enfin, ces objets doivent se trouver après le point B. Le point B ici joue le rôle de quoi? Le point B joue le rôle de premier plan net. Premier plan net joué par le rôle du, enfin, le rôle de, le point B joue le rôle de premier plan net. En gros, le point B dans notre exercice correspond à ce point. Et donc, puisque la mise au point est à l'infini, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout objet qui se trouve après le point B, cela veut dire que tous les objets qui se trouvent derrière seront vus dans l'écran de façon nette et claire. Cela veut dire que notre objet, donc la carriole, sera vue de façon nette, donc puisque la prise de vue est à l'infini. Donc en gros, notre objet est compris entre moins 19, enfin, est compris entre moins 19,7 et l'infini parce que notre objet se trouve à 25 mètres. Donc 25 mètres, c'est marqué là. Donc puisque notre objet se trouve entre 19 et l'infini, cela veut dire que notre objet sera vu de façon nette et précise. Alors, on va s'arrêter là par rapport à cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visualisée et on se dit à la prochaine fois. Merci beaucoup.